Alors, Romain Weissmoreau, cabinet LSC associé. Je suis en charge de la pratique au sein du cabinet depuis quelques années maintenant. Donc la pratique, c'est propriété intellectuelle et protection des données personnelles. Tout ce qui concerne le secteur Internet, économie, commerce, etc. Alors la valeur des données personnelles, c'est un bien grand mot. Nous, on essaie de valoriser les données personnelles par rapport à la réglementation. On va voir dans une entreprise, lorsqu'on va l'auditer, quels sont les éléments qui vont nous permettre de justifier ou pas une intervention en termes de conformité. C'est-à-dire qu'on a toute une série de questionnaires qui vont nous permettre de dire quels sont les éléments qui sont conformes, quels sont les éléments qui ne sont pas conformes. À partir de l'écart entre la conformité et ces éléments, on va dire qu'il y a toute une série de recommandations, de préconisations qui vont entraîner un coût pour pouvoir arriver à une conformité. Et c'est ce coût qu'on va valoriser et qui va nous permettre de donner une première valeur. On a une seconde valeur qui est la valeur qu'on pourrait appeler une valeur de goodwill, une valeur qu'on pourrait attendre de la donnée, mais c'est une valeur qui est négociée. C'est une fois qu'on a fini la conformité, on va pouvoir ensuite négocier cette valeur auprès d'un cessionnaire dans le cadre d'une cession, soit auprès d'un partenaire dans le cadre d'une opération commerciale si on doit s'échanger des données.